Bonjour et bienvenue dans ce 62e numéro de Terre de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons faire encore des découvertes incroyables. Est-ce que vous voyez cette baguette? Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer la mobilisation du monde agricole pour vous permettre de l'acheter tous les matins. C'est tout simplement incroyable. Recherche en laboratoire, tests en continu dans les boulangeries, conseils agricoles et chiffres de production astronomiques. Tout est fait pour que le pain soit tous les jours de qualité. Avec notre partenaire, la Chambre d'agriculture, et notre invité, le groupe Soufflet, tel est le thème du jour, la filière blé, place au sommaire. Aujourd'hui, vous ne verrez plus les baguettes et autres viennoiseries comme avant. Avec la filière blé, Terre de l'Aube dévoile tout le travail mené en amont avant que le pain arrive sur nos tables, notamment grâce à la sélection variétale. Ce que vous voyez là en champ d'essai, à la récolte, nous récupérons des échantillons. Nous allons les tester dans nos laboratoires et fournils dans les différents moulins pour choisir et développer les variétés qui sont adaptées à la fois pour l'agriculteur et à la fois pour nos clients farines. Autre étape au sein de la filière blé, la transformation en farine. Nous visiterons l'un des plus grands moulins soufflés de France, un lieu où des chercheurs décortiquent l'ADN du blé et des boulangers testent les différentes capacités des farines. On essaye de trouver, en fait, c'est vraiment le bon produit avec un bel aspect et qui reste bien carré. Conjuguer production, qualité et protection de l'environnement, est-ce vraiment possible? Un conseiller agricole et un céréalier conventionnel expliquent les solutions techniques qu'ils utilisent afin de polluer moins. Les sociétés qui sélectionnent les variétés font des efforts pour produire des variétés plus tolérantes aux maladies notamment. De la recherche à la transformation en farine, Terre de l'Aube vous amène aujourd'hui à la découverte de la filière blé. Avec nos invités, on va commencer par faire un point sur la filière blé dans l'Aube. Avec vous, Didier Marteau, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres clés sur la filière blé dans l'Aube? C'est la première production dans l'Aube, hein, en termes de surface, puisque 1 hectare sur 3, un tiers des surfaces, sont semées en blé. Donc, principale production. D'ailleurs, l'Aube est un des premiers départements producteurs au niveau national. Et la France est le deuxième exportateur mondial. Donc c'est vraiment une production intéressante et importante pour l'agriculture française. Donc on imagine l'importance du sujet pour l'Aube et l'Aube agricole. Christian, question naïve, je suis là pour ça. Est-ce qu'on utilise le même blé pour produire baguettes, biscuits et autres produits ? Question naïve mais essentielle. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul blé, mais il existe des quantités et des quantités de variétés de blé. Alors chacun y a sa qualité pour à la fois produire des produits aussi différents que de la brioche et qu'un biscuit. On sent bien que ça n'a pas la même saveur ni la même texture. Exactement. Mais à cela s'ajoutent les besoins agronomiques. Alors résistance aux maladies, aussi adaptation au sol et au climat, c'est très important, rendement, etc. D'où un important travail de sélection variétale, c'est effectué bien en amont, avant l'arrivée de cette baguette sur notre plateau, et je propose de voir à quoi ça ressemble. Ici, sur l'un des 10 champs d'essai du groupe Soufflet, près de 300 agriculteurs sont venus sélectionner leurs variétés de blé. Avec des milliers de variétés disponibles, le choix peut paraître difficile. Le groupe Soufflet en teste 120 chaque année. Ces nouveautés sont proposées par les semenciers, appelés aussi obtenteurs. Et chacun des obtenteurs va réaliser des croisements pour créer des nouvelles variétés. Va choisir un parent mâle, un parent femelle, et par sélection naturelle ensuite, va identifier et sélectionner les nouvelles variétés. Donc ce que vous voyez là en champ d'essai, à la récolte, nous récupérons des échantillons. Nous allons les tester dans nos laboratoires et fournils dans les différents moulins pour choisir et développer les variétés qui sont adaptées à la fois pour l'agriculteur et à la fois pour nos clients farines. Le choix des variétés repose d'abord sur le rendement, sans cesse amélioré grâce à ce travail de sélection variétale. Le nombre d'épis au mètre carré, le nombre de grains par épi et aussi le poids des grains. Pour l'autre critère de sélection variétale, le responsable développement blé de Moulin Soufflet utilise un accessoire et son coup d'œil de professionnel. Le parapluie, c'est pour voir justement à l'intérieur des parcelles quel est le comportement de chaque variété et sa résistance aux maladies. Donc ici, on est sur une variété avec les maladies, on voit quand même assez nettement la septoriose qui monte. Qui est donc la principale maladie du feuillage et qui a le plus d'impact pour l'agriculteur. Mais si on regarde sur celle-ci, là on voit que la dernière feuille est totalement touchée. Le blé est surtout utilisé pour faire du pain et ses dérivés.
Le dernier critère de sélection porte sur la quantité de protéines présentes dans chaque grain. En mélangeant avec l'eau, il y a un réseau de protéines qui va retenir les gaz lors de la fermentation. C'est ce qui va permettre au pain de se former. Biscuit ou pain de mie, le blé diffère et l'innovation dans ce domaine se poursuit. Sur le biscuit, on va rechercher une faible protéine, ce qui va permettre d'avoir un biscuit qui va s'étaler facilement et d'être léger. Si on regarde sur le pain de mie, on va aller rechercher justement des variétés à forte protéine et à force boulangère élevée. Une farine de pain de tradition, qui est la Fleuriane, on va sélectionner des variétés de blé spécialement par rapport à leur capacité à apporter une couleur jaune à la mie. La sélection variétale s'avère donc complexe et essentielle, d'où l'importance des conseillers. En termes de débouchés, c'est-à-dire utilisation, comme Amador tout à l'heure, pour des pains spéciaux, donc ce qu'on appelle les mies jaunes en boulangerie artisanale. Donc l'avantage de Compil, c'est sa bonne résistance au froid. L'orientation est globale. On prend en compte les attentes de l'agriculteur, on prend en compte les attentes des clients farine. Et c'est à partir de toute cette évaluation où, au niveau du groupe Soufflet, on fait un choix de développer une variété qui répond à l'ensemble des besoins. Farine pour artisan boulanger ou industriel, l'agriculteur devra choisir la variété ayant à la fois un débouché et un bon rendement. Donc Fabrice Bourgeot, on vous retrouve sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable développement blé de Moulin Soufflet, l'une des filières. Alors peut-on dresser là aussi un récapitulatif, un panorama de l'offre de ces variétés de blé, l'offre variétale? L'offre variétale pour les agriculteurs, elle est très large. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 150 variétés de blé qui sont accessibles pour les agriculteurs. Toutes ne sont pas cultivables par chaque agriculteur, ça dépend du terroir. Mais voilà, on a mais quand même. Chacune ont leur utilité. Alors, chacune, ou en tout cas, derrière, on distingue des groupes. On a des variétés qui sont axées plus pour la panification, d'autres qui vont être pour la fabrication de biscuits. Et sinon, il y a d'autres applications, telles que l'amidonnerie, l'export ou les fabricants d'aliments pour animaux. Donc aujourd'hui, les variétés de blé destinées à la meunerie, c'est à peu près 60% de ce qui est cultivé en France. Voilà. Spécifiquement pour le groupe Soufflet, nous, on a sélectionné 30 à 40 variétés qui sont adaptées et qui répondent à l'ensemble des débouchés. Élodie Parr, vous êtes chef de projet LU, Harmonie et Développement Durable. Vous travaillez donc pour une grande marque. Vous utilisez des variétés déterminées pour chacun de vos produits ? Alors lui, c'est une marque qui existe depuis plus de 160 ans, voilà. Avec un portefeuille de marques très varié. Alors on est, par exemple, on fabrique des biscuits céréaliers, comme le fameux Petit Lu, mais aussi des biscottes ou des barres céréalières ou des gâteaux moelleux, etc. Et tout ça a besoin de différentes voilà. variétés. Alors, le point commun de toutes ces marques-là, c'est bien sûr le blé, c'est notre ingrédient principal. Et donc pour répondre à votre question, oui, on n'utilise pas la même farine, donc on n'utilise pas les mêmes variétés de blé pour faire un Petit Lu croquant, qu'on va déguster par les oreilles, ou pour faire un gâteau moelleux comme Lulu l'ourson par exemple. Et ça, à chaque fois que vous allez élaborer un nouveau produit, il va falloir se poser de nouveau la question. Voilà, absolument. On met vraiment l'innovation au cœur de notre stratégie. Par exemple, on lance plus de 100 nouveaux produits par an, et lancer des nouveaux produits, ça veut dire aussi s'appuyer sur l'expertise de nos meuniers pour développer de nouvelles variétés qui vont répondre à nos exigences et à nos caractéristiques attendues. Donc en effet, c'est un travail qu'on fait main dans la main. Et pour compléter, Fabrice Bourgeot, là on entend bien que les clients ont besoin de nouveautés. Mais est-ce que les agriculteurs, eux aussi, ont besoin de nouvelles variétés de blé ? Un agriculteur, il a tout intérêt à partir sur une nouvelle variété. Par le processus d'inscription des variétés, une nouvelle variété apporte plus de rendement et normalement une meilleure tolérance aux maladies. Donc pour l'agriculteur, plus de rendement, ça veut donc dire plus de productivité. Et en même temps, une meilleure tolérance aux maladies, c'est une réduction de ses charges. Donc oui, il a un intérêt à partir sur une nouveauté. Et question pratique, Didier Marteau, on se rend compte que l'agriculteur, il a un choix énorme, 150 variétés, ça se renouvelle en permanence. Comment fait-il pour choisir ? En fonction de la qualité de ses sols, c'est la première chose. En fonction de la climatologie de sa région, en fonction de divers choix contractuels qu'il aura avec son organisme, en fonction de répartir un peu les risques. Variétés peut-être plus productives, mais d'autres plus résistantes. Des variétés aussi alternatives qui peuvent mieux résister aux sécheresses du printemps et d'autres plus résistantes aux insectes ou aux maladies. Voilà, c'est un panel que chaque agriculteur va faire en fonction un peu de son histoire, avec un renouvellement en effet, où ce n'est pas la recherche systématiquement du rendement. C'est plus complexe, je pense, en effet. C'est l'adaptabilité de la variété à sa région et à son exploitation.
Christian, alors j'ai bien compris avec nos invités l'importance de la variété des blés et de leur sélection. C'est les besoins de la baguette, c'est les besoins de l'agriculteur, ok. Mais l'environnement, tout ça? C'est toujours de l'agronomie et bien sûr, c'est pris en compte, notamment par les conseillers, que ce soit de la chambre ou de soufflé d'ailleurs, qui accompagnent les agriculteurs et qui mènent un travail dans ce sens, afin non seulement de défendre l'intérêt de l'agriculteur, rendement, etc., il faut bien qu'ils vivent, mais aussi prendre en compte la protection de l'environnement. Et je propose de voir aujourd'hui comment ça se passe avec un agriculteur conventionnel. On va voir qu'il y a quand même des leviers pour prendre en compte l'environnement et le protéger de plus en plus. Exemple. L'aire de travail d'Olivier Guillon s'étend sur 330 hectares, soit 3 300 000 mètres carrés. Aujourd'hui, il sème du blé et afin de protéger l'environnement, il a choisi une astuce technique. Son collègue laboure, lui, sème les graines juste après. Le fait du labour, on enterre les mauvaises herbes et donc il y a moins de levée au printemps quand c'est le moment des désherbages. On a toujours une notion de protection de l'environnement, donc on choisit aussi de limiter les produits phytosanitaires sur nos exploitations. Un labour, ça consomme beaucoup de carburant. Mais malgré tout, derrière, on pense qu'on économise des produits phyto, donc du coup, on est quand même gagnant, quoi. Autre technique gagnante afin de limiter l'usage de produits phytosanitaires, la rotation des cultures sur une même parcelle. L'agriculteur est en train de semer du blé donc derrière un tournesol. Le fait d'avoir plusieurs cultures différentes qui se suivent permet de réduire la quantité de mauvaises herbes. Le tournesol, c'est au printemps, le blé, c'est à l'automne. Certaines herbes qui lèvent beaucoup dans le blé ne vont pas lever du tout dans le tournesol. Et donc, d'une année sur l'autre, on ne refait pas des graines de mauvaises herbes. Le choix du grain de blé, de sa variété, permet lui aussi d'améliorer la performance écologique, un domaine qui dépasse le champ de compétences de l'agriculteur. Les sociétés qui sélectionnent les variétés font des efforts pour produire des variétés plus tolérantes aux maladies, notamment. Donc qui permettent d'utiliser moins de produits fongicides au cours de la culture. En coulisses, d'autres outils d'aide à la décision permettent de piloter l'apport d'engrais de type azote. L'agriculteur cherche en épandant des engrais à faire à la fois du rendement et de la qualité. Donc pour cela, il va fractionner les apports d'engrais, c'est-à-dire qu'il ne va pas amener l'engrais tout en une fois. Il va l'apporter en deux ou trois fois, permet d'éviter que l'azote qu'on apporte ne soit lessivé et ne finisse dans les nappes phréatiques. Dernier domaine, la réduction des insecticides. Là, l'observation s'avère la meilleure solution. On regarde s'il y a présence d'insectes et s'il y a présence au-dessus des seuils d'intervention. Là, on utilise un produit phyto au lieu de le mettre systématiquement. Ces gestes, nommés itinéraires techniques, permettent à l'agriculteur non seulement de réduire l'impact environnemental, mais aussi de réaliser des économies. Didier Marteau, question professionnelle, avec ce type de technique, finalement là on a bien compris, ce sont parfois des gestes simples qui vont même jusqu'à l'observation, mais le gain en usage de produits phytosanitaires, on peut réduire de combien? À quelle proportion? Aujourd'hui, avec l'alternance en effet, culture de printemps, culture d'hiver, variétés plus résistantes, cultures qui utilisent moins de phyto, printemps, etc. On arrive à faire pour un agriculteur qui essaie d'être attentif, entre 20 et 25% sans perte de marge brute. Je ne dis pas de rendement, de marge brute. Ça, c'est à peu près aussi assez courant avec certaines cultures telles que la luzerne ou le chanvre qui n'utilisent pas du tout de phyto ou des prairies pour ceux qui font de l'élevage. Ça, c'est un plus, évidemment. Après, en effet, je crois que chaque région a ses spécificités. Dans des régions, c'est beaucoup plus difficile de faire des cultures de printemps. Je pense au Barrois ou au Pays d'Hôte. Cultures de printemps, c'est-à-dire des cultures qui sont semées au printemps, qui vont être que 4 mois en culture, en terre, alors que d'autres, comme le colza, sont 11 mois. On les a semés au mois d'août et on va les récolter au mois de... Donc plus de risques d'attaque d'insectes, plus de risques d'attaque de maladies, etc. Donc c'est une alternance de toutes ces cultures, de toutes ces techniques qui vont très loin. Et puis, en effet, de variétés résistantes. Aujourd'hui, avec des variétés de blé qui résistent avec les barbes, par exemple, tout bêtement, aux insectes en fin de cycle, ou de gènes qui ont été sélectionnés, comme ça a été expliqué, pour qu'elles résistent à certaines maladies ou à certains champignons.
En même temps, Didier Marteau, j'ai bien vu le reportage, mais entre les critères de prix, de rendement, la question de filière, des variétés de blé, est-ce que vraiment l'agriculteur a encore la force et le choix d'intégrer l'aspect environnemental dans sa sélection de variétés de blé? Est-ce que vraiment c'est encore une possibilité pour lui? Oui, parce que le prix, il n'est jamais garanti. C'est-à-dire qu'on vient de semer, l'année prochaine, quel sera le prix? Beaucoup disent que le prix va baisser. Moi, je ne suis pas du tout certain que le prix va être maintenu à la hausse parce qu'il est lié à des marchés mondiaux qui nous échappent totalement, à de la consommation, à de l'utilisation. Donc aujourd'hui, il faut être prudent et l'agriculteur est prudent et essaye de conduire de façon rationnelle et durable. Et je crois que c'est le mot aujourd'hui qu'on a essayé d'introduire, de bien faire comprendre aux agriculteurs, c'est qu'il n'y a jamais de garantie, c'est jamais certain et surtout rester prudent. Par contre, le fait de conduire avec une méthode environnementale fait prendre quelques risques. Parce qu'il a été évoqué, le fait d'observer avant de traiter. Et c'est évident que des fois, on peut observer et apercevoir trop tard et le mal est déjà fait. Voilà, il faut peser le pour le contre. Par contre, il y a des économies. On utilise moins de produits pour traiter les plantes. Et c'est quand même mieux pour l'environnement. Élodie Parr, est-ce que les consommateurs sont de plus en plus regardants sur le respect de l'environnement lorsqu'ils achètent un produit? Est-ce que vous le savez, ça? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on mesure, nous aussi, avec une progression année après année, en effet, de la préoccupation du consommateur pour l'environnement. Mais j'ai envie de rajouter que ça n'est pas le seul critère auquel le consommateur fait attention. Il y a le critère du local, en fait, qui est un point qui est très important. Le consommateur a envie de savoir où a été produit le biscuit qu'il achète et par qui et comment. Il veut avoir de plus en plus de détails là-dessus. Et au-delà de ça, donc, en plus de l'environnement et du local, il y a évidemment toujours l'aspect qualité. Le consommateur, il veut avant tout manger un bon biscuit. Et Fabrice Bourgeot, si on revient au flux conducteur, la filière blé, les variétés, finalement aujourd'hui, quelle est la durée de vie d'une variété, notamment? La durée de vie d'une variété, elle a tendance à raccourcir. Maintenant, en moyenne, on peut dire que ça va être pour un agriculteur entre 3 et 4 ans. Il faut savoir qu'il y a un renouvellement variétal très important. Il y a plus de 25 variétés chaque année qui se renouvellent. Donc ça se raccourcit. À l'inverse, des variétés qui ont un intérêt filière peuvent persister. Aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est Apache. Apache, c'est quand même la variété qui reste en France nationale numéro 1. C'est une variété qui date maintenant d'il y a 15 ans. Et quel est votre rôle au sein de Soufflé? Là, c'est pas mal. Il y a l'agriculteur d'un côté et il y a le client de l'autre. C'est un peu ça, l'interface entre les deux? Là, c'est vrai que le placement est bien. Nous, on a un rôle intermédiaire. Au niveau de Moulin Soufflé, je parle, on a ce rôle intermédiaire entre le producteur et l'organisme de collecte et l'utilisateur final. Donc, c'est tout notre rôle, justement, d'être ce lien dans les filières. Il y a des possibilités, en effet, sur des variétés recherchées par la meunerie, c'est d'avoir des petites primes qui vont représenter entre 5 et 10% par rapport au prix moyen du blé, qui, lui, est standard. Généralement, quand une variété, bien sûr, est plus intéressante, avec peut-être aussi une certaine ancienneté, elle n'aura pas le potentiel d'une variété nouvelle. Et c'est évident qu'on va l'encourager en ayant un prix et un contrat qui garantit pour l'agriculteur un revenu supplémentaire. Je crois qu'on va y revenir. Ouais. Allez, Christian, on va de nouveau découvrir cette filière blé avec une visite. Là, pour le coup, exceptionnel. Ah oui, je trouve ça vraiment étonnant. Avec 340 000 tonnes de blé transformées en farine chaque année, je vous propose de visiter le plus grand moulin soufflé de France. Alors, il se trouve à Corbeil. Là aussi, le travail de sélection continue afin de trouver les compositions de farine, cette fois-ci, puisqu'on la transforme. Alors, les farines qui doivent correspondre le mieux aux besoins des clients et bien sûr des consommateurs. Visite guidée avec Soufflé. Les variétés de blé en test dans les parcelles sont réceptionnées dans ce laboratoire. Objectif, proposer les farines les plus adaptées aux besoins des clients. On n'allait pas avoir la même chose pour un client qui va faire des biscuits, qu'un client qui va faire du pain de mie ou éventuellement des brioches. Plus de chêne également qui automatise pour faire du pain industriel. Donc ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes besoins que le boulanger artisanal. Ils ont besoin de farines plus fortes qui résistent mieux à toutes les contraintes mécaniques qu'ils vont avoir derrière. Après le broyage, chaque blé subit une batterie de tests. Première étape, la lecture de l'ADN du blé. Ça vous donne un code barre et nous permet de déterminer si elle convient oui ou non pour faire du pain derrière. Autre mesure réglementaire, la farine est brûlée afin de déterminer son taux de matière minérale. Quand vous voyez farine de blé type 45 ou type 55 ou type 65, ce sont le taux de matière minérale qui sont compris dans vos farines. À 900 degrés, il ne va plus rester dans le fond de la nacelle que vous voyez ici que les matières minérales qui vont être pesées par la suite. L'élasticité de la pâte est également mesurée. Ça
Ça permet de déterminer la valeur boulangère de la farine. Il va vous dire si cette farine est destinée pour faire des biscuits, de la brioche ou du pain. Le mieux placé pour en juger reste le boulanger. Ici, après les tests en laboratoire, toute une équipe met à l'épreuve recettes et farines. Pour mettre en situation les blés, et après, derrière, choisir le mélange qui convient à l'utilisation pour notre client. Je ne préfère pas avoir les résultats du laboratoire pour pouvoir vraiment ressortir ce que la farine ou le blé qu'on va tester a dans le ventre, en fait. Couleur de la mie, taille des alvéoles, capacité à s'intégrer de façon régulière dans des emballages. L'objectif vise ici à composer la meilleure farine. On a fait un essai sur quatre variétés différentes pour voir à la fois le travail donc de la plasticité des pâtes et après donc le résultat au produit fini sur la prise de volume et le feuilleté. On s'aperçoit qu'il y a des produits qui s'affaissent, donc qui est très gênant pour nos clients. Et ce qu'on essaye de trouver, en fait, c'est vraiment le bon produit avec un bel aspect et qui reste bien carré. Trouver le blé qui convient s'effectue en continu. Ces boulangers testent les nouveaux grains dès leur première récolte. Lorsqu'il y a des tests en plein champ, on est déjà présent pour étudier la qualité intrinsèque des blés. Pas droit à l'erreur, cette usine écrase l'équivalent de 150 hectares de blé par jour, soit 5 millions de baguettes, avec des formulations de farine de plus en plus précises. Chaque tuyau, vous avez un produit différent. La farine que l'on commercialise, que ce soit pour les industriels ou celle que vous achetez en sachet, c'est un assemblage de farine élémentaire. Il faut en compter entre 30 et 40. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 35 ans, il y avait 5-6 variétés de blé, il y avait 10 variétés de farine. Aujourd'hui, on en est à 25 et il y a 60 variétés de farine. À cette complexité s'ajoute celle des filières, où chaque client exige des méthodes de culture et de transformation différentes pour un même blé. La filière, elle est surtout au niveau de l'agriculture, des conditions de culture et des intrants qui sont utilisés par l'agriculteur. Une particule de farine mesure 1 millième de millimètre. Aujourd'hui, obtenir une baguette ou un biscuit de qualité est devenu un travail de précision. Élodie Parr, là on entendait parler du sujet de filière. Alors en réalisant ce sujet, les professionnels évoquaient donc des filières spécifiques. Et c'est peut-être un peu le cas avec l'U-Harmonie. En quoi ça consiste? Oui, alors en fait l'U-Harmonie, c'est une démarche propre qu'on a lancée, nous l'U, en 2007. Et qui s'appuie en fait sur quatre engagements, si on veut essayer de faire simple. Le premier, c'est un partenariat avec des agriculteurs en France et qui sont localisés le plus près possible de nos sites de fabrication. Alors par exemple, dans l'Aube, on travaille avec 120 agriculteurs partenaires. Le deuxième engagement, c'est une charte de 42 bonnes pratiques agricoles. L'objectif, c'est de limiter notre impact sur l'environnement. Donc, c'est une charte qui est auditée et retravaillée chaque année. Vous parliez de spécificité. Nous, on a mis en œuvre des actions innovantes pour la biodiversité, puisque chacun de nos agriculteurs dédie une partie de sa parcelle de blé à un mélange mellifère. Et puis enfin, le quatrième engagement, c'est la traçabilité. Et ça veut dire que ça a changé nos manières de travailler, puisqu'on travaille maintenant, vraiment main dans la main avec l'ensemble des acteurs de la filière, à commencer par le meunier et en particulier avec Moulin Soufflé, avec lequel on travaille depuis plus de quelques dizaines d'années et autour de l'U-Harmonie également. Voilà, ça veut dire des silos spécifiques, etc. Voilà. Fabrice Bourgeot, Soufflé propose, on va dire, ses propres marques et produits et solutions autour de la filière blé. Pourquoi ce choix et en quoi ça consiste? On produit effectivement nos propres marques sur, par exemple, sur la baguipie fleuriane. C'est une farine pain de tradition française qui est à destination des artisans boulangers baguipie. Nous, on a fait ce choix de partir sur notre propre filière. La spécificité, c'est que tout d'abord, c'est une filière interne au groupe Soufflé. C'est-à-dire qu'on va utiliser les blés de Soufflé Agriculture, qui sont des blés tracés. Ensuite, on a vu dans le reportage le moulin de Corbeil. Ces blés passent au moulin de Corbeil avant d'être distribués. La farine est ensuite distribuée à l'ensemble des boulangers. C'est besoin de traçabilité. C'est une farine qui est destinée pour faire un pain haut de gamme. C'est pour apporter de la différenciation à nos clients. Et donc cette farine-là, on l'a certifiée. Donc elle est certifiée par un organisme indépendant depuis 2005 sur les bonnes pratiques culturales, la traçabilité du champ jusqu'au boulanger. Voilà, c'est des points quand même très importants qui nous permettent d'apporter une différenciation pour nos clients. Et si on élargit un peu, les chiffres sont absolument astronomiques. Je crois que le pari du début de l'émission, on le voit avec la production de cette meunerie à Créteil. Les Aubois qui nous regardent peuvent peut-être, à Corbeil, merci, peuvent associer l'entreprise Soufflé à la ville de Nogent. Alors Moulin Soufflé est propriétaire finalement de combien de moulins, peut-être en France, en Europe et je crois même au-delà.
Oui, alors, bon, Moulin Soufflet, c'est en tout 10 sites, 9 sites en France, dont un qui est à Dienville, dans l'Aube, et un site en Belgique. Ensuite, le groupe Soufflet, c'est sûr que Soufflet et Nogent, c'est indissociable. L'origine de Soufflet, c'est Nogent, avec un premier silo de collecte. Aujourd'hui, maintenant, on est plus de 4000 salariés. Le siège historique est toujours à Nogent. Et il y a eu deux investissements majeurs récemment qui montrent l'intérêt de la famille Soufflet pour Nogent. Donc, il y a eu la construction de la plus grande malterie d'Europe. Et également, récemment, il y a 2 semaines, on est allé faire l'inauguration du centre de recherche qui emploie 70 chercheurs. Et tout ça se passe dans l'Aube. Finalement, Didier Marteau, la filière blé, c'est un petit peu la filière symbole de l'agriculture, à la fois entre la tradition et l'innovation. Oui, avec le champagne quand même. Oui, bien sûr. Il faut oublier, parce que là, avec 2% de la surface, on fait 50% du résultat. Mais la filière blé est une filière, en effet, qui porte un intérêt, d'autant qu'en 10 ans de temps, peut-être 15 ans, on a vu un département exportateur à quasiment un département qui est devenu importateur en raison de la valeur ajoutée. C'est ça, je crois, la belle réalisation de l'Aube, c'est d'avoir su s'évoluer en valorisant jusqu'au bout de la filière, au maximum en tout cas, et préparer le produit à l'utilisation finale que sont les agroalimentaires. Et voilà, je vous l'avais promis, vous ne verrez plus cette baguette du même œil ce soir. Quand vous la mangerez, vous verrez qu'il y a énormément de gens et de travailleurs sur cette filière blé qui, tous les jours, essayent d'améliorer la qualité de ce produit symbole. Merci beaucoup pour votre venue dans ce studio de Terre de l'Aube. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.